La Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle vous présente Artisan d'un jour. Bonjour. Elle s'entraîne habituellement à Paris avec l'équipe de France de trampoline. Marine Prieur, médaillée de bronze au championnat d'Europe de Sochi et licenciée à FAMEC, s'apprête à découvrir aujourd'hui le métier de cordonnier. Tu vas m'accompagner, je vais te faire découvrir l'atelier cordonnerie. Ok, c'est parti. C'est parti. On va faire la découpe pour la petite talonnette d'usure en caoutchouc. Je continue, petit repère, voilà, et hop, deuxième petite talonnette, voilà. Okay. Je contrôle toujours les gabarits, je me laisse toujours un petit peu de marge, hein, parce que ça c'est toujours important, parce qu'après en deuxième étape, il y a toujours la finition. J'ai aimé tout, je pense que j'ai aimé découvrir toutes les facettes du service. J'ai été très surprise du métier que c'était parce que je ne connaissais pas du tout le métier et je ne pensais pas qu'il y aurait autant de services à proposer dans ce genre de métier. Ah ben parfait. C'est du beau travail manuel. Magnifique. Voilà. On a des produits de déforme et quand tout sera terminé, on viendra finir, laisser bien sécher puis après illustrer pour avoir le rendu final. Voilà. Okay. Comme neuf. Voilà, et je vais venir poser mon deuxième rail sur. Donc au préalable on a bien repéré que tout était bien dans l'alignement. Ici on a nos repères et après je viens en fait positionner sous la presse et je vais te laisser faire, tu vois, tu vas prendre ici tu as la presse et tu vas prendre les repères et puis avec le bonjour et tu vas venir emboutir ici avec la poignée. Voilà. Aujourd'hui, on amène un peu de modernité dans notre métier, donc on est toujours occupé et ça, c'est le challenge de notre métier qu'en fait, ça c'est plutôt valorisant. Donc moi, je trouve que notre métier a de l'avenir, voilà, surtout comme on l'entend aujourd'hui quoi, en fait, hein. Surtout axé sur le multiservice. La Chambre de métier de l'artisanat de la Moselle vous a présenté Artisan d'un jour.